venom to your veins. Heartbreak, hotel room 505. I was blinded by love and the way she lied. Not me. Yo tout le monde, c'est Choki, j'espère que vous allez bien. Comme vous aurez pu le voir au titre, le DLC, le Crime P partie 2 est enfin disponible. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai eu quand même pas mal de difficultés à avoir le DLC. Alors je ne dis pas pour le télécharger, mais plutôt pour lancer le mode en ligne. À chaque fois, j'avais un message d'erreur, comme quoi je ne pouvais pas accéder au mode en ligne. En tout cas, c'était vraiment quelque chose de compliqué. Rockstar m'a fait la misère sur ce coup-là. Bref, c'est pas grave, au moins j'ai réussi à accéder dans le mode en ligne. Le problème a été rétabli. Alors comme vous le voyez, je fais la vidéo en live, alors je ne suis pas habitué, soyez indulgents. Comme vous le voyez, je suis à l'Immunation. Alors on va voir directement les armes. Alors voilà le point américain. Alors sans faire exprès, je l'avais acheté juste avant, il coûte 6 900 $. Je vais vous faire montrer ce qu'il y a comme texture avec. Alors il y a la Mac qui ressemble à ça, qui est vraiment stylé, mais qui sert à rien. Ensuite le ballast, ça qui est vraiment pas mal du tout. En tout cas ça devrait faire beaucoup plus de dégâts. Ensuite il y en a d'autres mais qui sont pas super à part le joueur. Alors si vous mettez un coup de poing avec ça, normalement ça devrait se casser. Et après le reste c'est juste des images, des tatouages dessus on va dire. Alors on va directement tester le point américain. Regardez là le corps, il a vraiment bugué. Bon c'est pas grave. On prend le point américain. Ça vous gêne pas si je teste ça sur vous? Merde, j'ai foutu un coup de... j'ai foutu le coup de poing à côté. Attends, on va enlever la vue à la première personne. Tiens. Ouh, premier coup. Ah, il meurt d'un coup de poing. Ah, en fait, ça dépend où vous mettez le coup de poing. Si vous le mettez dans la tête, bah, c'est un peu logique qu'il meurt direct. Oh, le pauvre. Mais autrement, si vous mettez un coup de poing sur le corps, bah il faut plusieurs coups en fait. Bon voilà, c'est une arme qui est pas vraiment très puissante, mais qui est vraiment pas mal du tout. Après, j'ai rien d'autre à ajouter à propos de cette arme. Le prix est vraiment convenable. Personnellement, je trouve que c'est pas très abusé. Alors nous, on se retrouve soit tout à l'heure pour la présentation d'un autre contenu du DLC. Alors soyez très actifs sur la chaîne. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Allez, ciao !